Merci Monsieur le maire. Je voudrais déjà vous remercier, vous et le conseil municipal, d'avoir replacé cette plaque à l'endroit approximatif où était la maison de Nicolas Caillon. Donc, le 27 mai 1909, le conseil municipal de Neuve-Maison décide de poser une plaque commémorative sur la maison natale du capitaine Caillon. À cette occasion, il débaptise la rue de Neufchâteau et lui donne le nom de notre héros. Sans cette plaque, son souvenir serait totalement éteint. Nicolas Caillon est donc né ici le 13 avril 1771. À la place de sa maison natale se trouve bien sûr la station-service. Nicolas est un fils de vigneron, comme beaucoup d'habitants à cette époque. Sa vie est toute tracée. Il sera vigneron à son tour. Il fréquente l'école paroissiale située au prieuré, qui est située derrière, là-bas, et où il apprend à lire, écrire et compter. Il a 18 ans en 1789. Dans les petits villages partout en province, les événements parisiens ne sont pas très bien compris. On parle de révolution. Son papa décède la même année, ce qui le frappe certainement plus que toutes ces agitations parisiennes. Trois années passent. 1792. La République est en danger, hurle Danton. En effet, les puissances étrangères se liguent contre la République. Le manifeste de Brunswick est sans équivoque. Il faut renoncer à la République, replacer le roi à la tête de la France. Sinon, Paris sera détruit et brûlé. Déjà, les armées prussiennes et autrichiennes envahissent le territoire. Longwy est tombé. Nos armées reculent partout devant l'envahisseur. On demande des volontaires. Nicolas répond à l'appel de la nation. Il s'inscrit et il est incorporé au 6e bataillon de la Meurthe le 22 juillet 1792. Simple soldat, il fait donc campagne avec ce bataillon jusqu'en 1794. Malheureusement, nous n'avons pas de renseignements précis sur cette époque. Le 4 février 1794, il est affecté au 1er régiment de dragons, dont l'uniforme est beaucoup plus saillant que son habit de fantassin. Il fait ses premières armes de cavalier le 30 avril 1794 à la bataille d'Arlon. Le 26 juillet 1794, il participe à la fameuse victoire de Fleurus. En 1795, le régiment passe le Rhin avec les armées républicaines. Le 3 décembre, à Würzburg, Nicolas est atteint par un boulet, c'est sa première blessure. 1799, de nouveau en campagne, en Allemagne et en Suisse. 1800, Bonaparte est devenu premier consul. Il adresse ses offres de paix à l'Autriche, à l'Angleterre et à la Russie. Décidé à abattre l'Autriche, il prépare un plan offensif vers l'Italie. Caillon passera donc le foc du col du Grand Saint-Bernard avec le premier dragon. Le 14 juin, à Marengo, jour célèbre, son régiment fait merveille et participe à la célèbre charge de Kellermann qui décidera de la victoire. Dans cette action, Nicolas est frappé d'une balle, c'est sa deuxième blessure. Sa brillante conduite lui vaut sa nomination au grade de brigadier. 1805, Caillon fait partie de la grande armée rassemblée par Napoléon pour envahir l'Angleterre. Le 2 décembre, jour célèbre, il sera à Austerlitz. Son régiment repoussera avec succès les efforts des Russes pour prendre les positions de Telnitz et de Sokolnitz. Le 16 mars 1806, Nicolas Caillon reçoit officiellement la Légion d'honneur et une gratification de 600 francs qu'il donnera généreusement aux blessés de sa compagnie. En 1807 commence une campagne terrible contre les Russes. Nicolas est à Varsovie. Le 8 février, il participe à la grande sanglante bataille d'Eylau. Quelques jours plus tard, il est nommé adjudant. Il se bat à Heilsberg et continue à la victoire de Friedland, qui met un terme à la guerre par le traité de Tilsit. Le 19 septembre, il faut nommer un nouveau sous-lieutenant au régiment. Caillon remporte tous les suffrages, car à l'époque, les grades étaient faits non pas par piston, mais par un suffrage universel de tous. 1809, il est en Espagne. C'est une guerre épouvantable de cruauté. Il sera blessé deux fois. 1812, campagne de Russie. Nicolas fait partie des 600 000 hommes qui passent le Niemen. Le 15 septembre, il rentre à Moscou. Il est nommé lieutenant. Le 19 octobre, la retraite commence.
à Viasma. Un boulet en bout de course le blesse grièvement au dos. Comment survivra-t-il à cette terrible blessure? Probablement à sa robuste constitution, mais aussi à une volonté de fer. Il fait partie pendant cette retraite du bataillon sacré, où les généraux ont rang de capitaine. Il passe la Bérézina avec les restes de l'armée. Son régiment est reformé. Campagne d'Allemagne en 1813, il se bat à Lützen, Retz, Leipzig. Le 6 septembre, il est nommé capitaine. 1814, la France est envahie. Avec des effectifs squelettiques, Napoléon retarde l'échéance. Nicolas se bat à Vauchamp, Champaubert, Craonne. À Laon, il est blessé pour la 10e fois. Rentré à Neuf-Maisons, il y reste peu de temps. Il s'établit à Nancy, rue des Maréchaux. On peut l'imaginer, sur les bancs de la pépinière ou de la carrière, traîner son ennui avec d'anciens soldats. De temps en temps, il revient à Neuf-Maisons pour rencontrer d'anciens amis. Le 9 juillet 1843, à 11h du matin, Nicolas Caillon meurt à l'âge de 72 ans. Voilà, en quelques lignes, le récit d'une vie assez extraordinaire qui, sans un événement, la Révolution, sans une décision, son engagement et une grande volonté, se serait écoulé dans un parfait anonymat. Son souvenir, pour nous, impose le plus profond respect. Merci. Bien, le mot ! Colonel, 3e compagnie des canonniers à pied de la garde rassemblés pour 3 salves d'honneur. À vos ordres, mon colonel. Je ne vais pas faire une salve de 3 tirs. Bonjour, mon colonel. Canonniers, à vos places. Tu viens, tu me mets bien.